Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous. Oui, il s'agit de chercheurs, de scientifiques ou encore d'anciens militaires qui expliquent donc comment est-ce qu'ils voient la suite du conflit, notamment pour 2023, la guerre en Ukraine. La toute première hypothèse, la voici. L'offensive de printemps de la Russie sera déterminante. C'est Michael Clark, professeur à l'université d'Exeter en Grande-Bretagne, qui l'annonce. On a souvent entendu parler du général hiver et non, c'est bien le printemps qui sera le facteur clé d'après Michael Clark. Il se base notamment sur une prise par de parole de Vladimir Poutine dans laquelle il reconnaît que parmi les mobilisés, 50 000 sont déjà au front. Les 250 000 restants sont formés pour participer aux hostilités donc en 2023. Tant que le sort de ces nouvelles troupes russes n'est pas décidé sur le champ de bataille, il n'y a pratiquement pas d'autre scénario que la poursuite de la guerre. Alors Nargis, dans cet article, on découvre aussi des hypothèses plus pessimistes. Oui, exactement. Et sur les 5 scénarios, le plus pessimiste est celui-ci. Pas de fin en vue. Barbara Zanceta, faculté des études de guerre à Londres. Selon elle, il n'y a pas de fin visible au conflit. Ce sera une longue bataille politique, économique et militaire. Et d'ici la fin de 2023, cela ne se terminera probablement pas encore. Numéro 5, par David Andelman. Il est expert militaire. D'après lui, il est plus probable que la tactique actuelle se poursuive. La lente poussée des troupes ukrainiennes dans des directions étroites et une lente avancée, comme dans la région de Bakhmout ou d'Avdiivka. Vladimir Poutine qui serait, selon ses proches, menacé physiquement par les États-Unis. Regardez ce que dit très précisément Sergueï Lavrov, c'est le ministre russe des Affaires étrangères. Les responsables anonymes du Pentagone parlent d'infliger un coup de décapitation au Kremlin. Il menace en réalité d'éliminer physiquement le président Poutine. Nous ne rejetons jamais les propositions visant à parvenir à des accords diplomatiques. Les conditions pour engager des discussions sur ces accords sont bien connues. Une part inaliénable de ces conditions, c'est que les 4 régions appartiennent à la Fédération de Russie. Ces images fournies par le ministère russe de la Défense montrent un exercice d'entraînement avec des militaires russes et bélarusses. Selon Kiev, il y aurait actuellement un groupe de 10 200 soldats russes au Bélarus voisin. Ce que dénote aussi cette guerre en Ukraine, c'est une contestation de l'Occident. Vous l'avez dit, l'Occident reste engoncé, peut-être, dans ses vieilles méthodes diplomatiques. Et on a l'impression, peut-être, qu'elle ne comprend plus le monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Oui, parce que ce qui aurait dû faire sa force est en train de faire sa faiblesse. Au Sud, on voit de plus en plus des États qui se retirent du débat, qui s'abstiennent, qui ne prennent pas part au vote aux Nations Unies, qui ne veulent pas sanctionner, qui ne veulent pas condamner une opinion publique qui, de façon très étonnante, je reviens d'Afrique, est plutôt favorable à Poutine. Qui lui dit, qui lui cru? Et tout ça à cause de quoi? À cause de ce sentiment de méfiance et de malaise, de défaut de confiance en un Occident qui reste en même temps dans l'entre-soi et dans une vision hiérarchique du monde, c'est-à-dire moi au-dessus et les autres au-dessous pour recevoir mes conseils. Ça passe de plus en plus mal. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était donc en Ukraine hier pour évaluer les nouveaux besoins militaires de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Alors, rien d'officiel, en tout cas, rien de concret, hein, on peut le dire, n'a été annoncé, si ce n'est une déclaration de principe, puisque cela relève du président de la République. Mais le premier constat que l'on peut faire, mon général, c'est que qu'il faut faire, c'est un chiffre qu'il faut rappeler, c'est que la France n'arrive qu'en 10e position seulement pour son soutien militaire à l'Ukraine, derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, et évidemment loin derrière les États-Unis. Moi, je pense que la France donne à hauteur de ses moyens. Ce matériel fourni à l'Ukraine, il est prélevé sur les stocks de l'armée française?
Bien sûr, bien sûr. En fait, notre industrie de l'armement, qui est une, nous avons une belle chance, la France a la chance d'avoir une belle industrie de l'armement, mais en fait, ça travaille à flux tendu, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de stock. L'industrie à qui le matériel est commandé fournit en fonction de la commande, c'est-à-dire que lorsque la commande est ferme et définitive, est signée. Et à ce titre-là, les chaînes de fabrication ne sont pas infinies. Il y a, par exemple, pour fabriquer les Rafales, il y a, je crois, qu'une seule chaîne de fabrication du Rafale. Donc, si on veut ouvrir une deuxième chaîne, il faut d'autres ingénieurs, d'autres mécaniciens. Ce que les industriels n'ont pas aujourd'hui. Mais ma question, c'était plus précisément, pardonnez-moi, est-ce que la France se désarme en armant l'Ukraine ? Absolument. Oui, puisque quand vous, j'ai parlé tout à l'heure des canons César, de 25% de nos canons, on s'est donc effectivement dépoilé, j'allais dire, pardonnez-moi cette expression, de ces 18 canons et de ces 25% de notre possibilité d'artillerie. L'Ukraine peut aussi maintenant se fournir directement aux fabricants d'armes français. Comment ça se passe ? Oui, parce que je crois que la France a mis en place un fonds de 200 millions d'euros et donc les Ukrainiens peuvent directement demander aux fabricants, ce qui évite effectivement ce qu'on disait à l'instant de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et c'est ce qui est, c'est, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que effectivement les Ukrainiens peuvent directement demander à nos fabricants français, j'allais dire, de, enfin, commander, ça peut être du canon César à Nexter, ça peut être d'autres types de missiles, et je pense qu'en particulier, et c'est vrai en termes de munitions, le vrai sujet aujourd'hui, je pense que de part et d'autre dans cette guerre entre après l'invasion de la Russie, c'est le nombre de munitions et cette difficulté à fournir suffisamment de munitions au regard du nombre d'obus tirés chaque jour ou du nombre de missiles tirés chaque jour par chacune des parties. Généralement, est-ce que l'on peut raisonnablement croire à une victoire militaire ukrainienne sur la grande armée russe, ou alors faites-vous partie, vous, de ceux qui pensent que ce conflit, finalement, va se transformer en guerre d'usure pendant des années et des années ? Alors je serais plutôt de cela. Pour moi, les Ukrainiens ont la capacité, j'allais dire, de tenir. On voit bien la ligne de front actuellement est assez fixe, en dépit de quelques, enfin, il y a des vrais combats du côté de Bakhmout en particulier, avec malheureusement un certain nombre de morts. Et on voit l'armée ukrainienne a des difficultés pour avancer. Je ne suis pas certain qu'ils soient en mesure de reprendre tous les territoires conquis aujourd'hui par les Russes. Maintenant que nous les aidions, ça me paraît normal et c'est justifié face à l'invasion russe. Mais je pense qu'aujourd'hui on est sur une ligne de front assez fixe. Qu'est-ce que ça donnera à la fin de l'hiver ? Je n'en sais rien, mais je ne vois pas pourquoi d'un seul coup, j'allais dire, l'armée russe s'effondrerait. On voit bien que côté russe, l'industrie, il y a une véritable industrie de l'armement russe qui fabrique et qui est passée en économie de guerre. Donc ça me paraît aujourd'hui, on arrive à une espèce de d'équilibre, malheureusement, des forces, malheureusement pour les Ukrainiens, et donc effectivement une certaine stabilité, une certaine stabilisation de la guerre sur une ligne de front qui passe sur le Dniepr en partie au sud et sur une ligne aujourd'hui définie à hauteur des oblasts de Donetsk et de Lugansk. L'armée russe a encore des ressources, des réserves. Malgré tout, d'un point de vue stratégique, son opération spéciale lancée en février dernier est un échec. Oui, c'est un échec dans la mesure où effectivement il pensait renverser le régime de Volodymyr Zelensky, ce qui n'a pas été le cas. Mais il a quand même pris, j'allais dire, il détient toujours la Crimée, il détient toujours environ 16 à 17% du territoire ukrainien. Donc en ce sens, c'est un échec parce qu'il n'a pas réussi à mettre en place un régime à sa main comme il le souhaitait. C'est un demi-échec parce qu'il détient toujours une partie du territoire ukrainien. Toute la journée, un souffle glacial et des chutes de neige en grande quantité ont balayé la moitié des États-Unis. La tempête venue d'Arctique, une bombe cyclonique n'a pas faibli, rendant une partie des routes américaines quasiment impraticable. La neige et la glace ont provoqué des dizaines de carambolages. Ici, 50 véhicules se sont encastrés les uns dans les autres dans l'Ohio. Près de Minneapolis, dans le nord des États-Unis, la route glacée fait déraper chaque véhicule, provoquant des centaines de collisions. Cet automobiliste s'en sort de justesse. Au total, au moins 15 personnes sont décédées suite à des accidents causés par la tempête, selon les autorités. Et quand ce n'est pas la glace, c'est le vent qui rend difficile tout trajet. Cet avion a dû s'y reprendre à deux fois avant de réussir à atterrir en raison des fortes rafales. À l'intérieur des aéroports, des milliers de voyageurs sont toujours bloqués pour le réveillon de Noël. 5500 vols au moins ont été annulés.
On tente toutes les solutions possibles. Je suis restée en ligne 8 heures au téléphone, mais je n'ai eu personne. Ce n'est vraiment pas drôle. Les informations n'arrêtent pas de changer. Oui, on se dit que ça va être un long voyage. Ça fait partie de l'aventure. La tempête a aussi fait chuter les températures, moins 15 degrés jusqu'à moins 55 dans certains endroits. Les lignes électriques ne résistent pas toujours. 1 700 000 Américains sont sans électricité aujourd'hui. Dans certains états de la côte Est, le risque d'inondation vient se rajouter aux températures polaires. La tempête devrait encore se poursuivre demain et toucher le Texas et la Floride, dans le sud du pays. Les infections à la Covid continuent d'augmenter sur la partie continentale de la Chine auprès des autorités et assouplissent les mesures de contrôle. Les institutions médicales augmentent la capacité des cliniques de fièvre pour faire face à la flambée. Les gouvernements locaux intensifient leurs efforts pour assurer l'approvisionnement en médicaments. Les autorités sanitaires ont affirmé que les jeunes enfants et les personnes âgées à haut risque de maladies sous-jacentes devraient être directement transférés vers des hôpitaux spécialisés. De nombreuses institutions médicales de Shanghai agrandissent leur unité de soins intensifs et augmentent le nombre de lits et de réserves de matériel. Les lignes de production à travers le pays fonctionnent 24 heures sur 24 pour produire des antiviraux, des antibiotiques et des médicaments contre la toux fébrile. Un certain nombre de villes ont distribué des kits santé gratuits, notamment des médicaments contre la toux et des masques N95. Et les personnes de plus de 60 ans se voient proposer un deuxième vaccin de rappel COVID-19. Nouvelle montée des tensions dans les Balkans occidentaux. Ce mercredi, le Kosovo a fermé son principal poste frontière avec la Serbie en réponse aux barricades érigées par des manifestants serbes la veille. Le gouvernement serbe considère la protestation comme démocratique et pacifique. Lors de sa conférence de presse, le premier ministre kosovar Albin Kurti a qualifié ces barricades d'actes illégaux et criminels et appelé les forces de maintien de la paix de l'OTAN, le KFOR, à les dégager. De son côté, le ministre serbe de la Défense affirme que Belgrade ne cherche qu'à protéger ses concitoyens et n'hésitera pas à mobiliser les troupes si nécessaire. L'accord doit garantir la sécurité des Serbes au Kosovo Metohija. C'est l'ultime condition concernant notre pays et ce que le président a déclaré très clairement ces derniers jours. C'est à nous de trouver une solution politique. Personne ne souhaite de conflit, mais l'armée serbe est prête, entraînée, courageuse et déterminée à protéger les intérêts de la Serbie, c'est-à-dire notre pays et sa souveraineté. La Russie a réaffirmé son soutien à Belgrade dans cette crise. La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province méridionale et encourage les 120 000 Serbes au Kosovo à défier les autorités locales, au moment même où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. La tension montante entre le Kosovo et la Serbie pourrait finalement être désamorcée. Ce mercredi, après avoir rencontré des représentants de la minorité serbe du Kosovo, le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé le retrait des barricades dès jeudi matin. Mais selon Belgrade, le processus de retrait pourrait durer quelques jours. Ce n'est pas une démarche aussi simple, et cela ne peut pas se faire en 2 heures comme certains l'ont supposé. Dans les 24 à 48 heures, les barricades seront enlevées. Mais la méfiance n'est pas pour autant dissipée. Ceux qui veulent violer le droit des Serbes au Kosovo doivent savoir que comme nous ne l'avons pas permis aujourd'hui, nous ne le permettrons pas non plus à l'avenir. Depuis le 10 décembre, des centaines de Serbes du Kosovo ont érigé des barrages dans le nord du pays pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier serbe. Mercredi, la justice kosovare a ordonné que cet ex-policier soit libéré et placé en résidence surveillée. Lors d'une interview accordée ce mercredi à CNN, le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde contre les risques d'éclatement d'une nouvelle intifada. Cette déclaration fait suite à la question qui lui a été posée concernant le statu quo à Jérusalem.
Nous devons nous inquiéter de la prochaine intifada. Et si cela se produit, ce sera un effondrement complet de la loi et de l'ordre dont ni les Israéliens ni les Palestiniens ne profiteront. Le souverain hachémite a par ailleurs exhorté le nouveau gouvernement israélien à ne pas franchir les lignes rouges de la Jordanie en ce qui concerne les lieux saints de Jérusalem. Si les gens veulent entrer en conflit avec nous, nous sommes tout à fait prêts. J'aime à croire qu'il faut voir le verre à moitié plein, mais nous avons fixé des lignes rouges et si les gens veulent les dépasser, nous ferons face à la situation. Beaucoup de gens en Israël sont aussi inquiets que nous. L'interview survient au sortir d'une année de recrudescence des violences en Cisjordanie, mais aussi des attentats en Israël, et à la veille de la prestation de serment du nouveau gouvernement israélien. Itamar Ben-Gvir et d'autres membres de la future coalition font pression depuis longtemps pour modifier le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem. Ils souhaitent qu'Israël affirme sa souveraineté sur le mont du Temple et autorise la prière juive sur le site. À l'heure actuelle, seuls les musulmans sont autorisés à y prier. Selon les accords de coalition désormais publiés, le nouveau gouvernement a promis de maintenir le statu quo. Un quelconque changement pourrait déclencher des protestations et avoir des conséquences au-delà de la Jordanie ou des Palestiniens dans l'ensemble du monde musulman. Pour son retour au pouvoir, Benjamin Netanyahou a concocté un gouvernement à droite toute. Ainsi, Itamar Ben-Gvir, du parti extrémiste Force Juive, devient ministre de la Sécurité nationale. Le discours de cet avocat de formation, âgé de 46 ans, présenté par ses détracteurs comme un suprémaciste homophobe, est axé sur la sécurité. Pour satisfaire ses ambitions, le Parlement israélien vient d'ailleurs d'adopter une loi accordant au ministre de la Sécurité nationale un pouvoir sans précédent sur la police. Nous avons fait l'histoire pour l'État d'Israël. Pour une police forte, pour la sécurité, sur les routes, dans les rues. Merci beaucoup. Dans la nouvelle équipe gouvernementale figure aussi Bezalel Smotrich du parti sioniste religieux. Cet ultra-orthodoxe sera en charge des colonies en Cisjordanie qu'il veut étendre encore davantage. Cette nomination intervient alors que la Cisjordanie, où vivent près de 3 millions de Palestiniens, est touchée par la plus grave vague de violence depuis la seconde intifada. Le Vatican qui confirme les propos du pape François, Benoît XVI, est gravement malade. Il reste sous surveillance médicale. Lors d'une audience générale ce matin, le chef de l'Église catholique a demandé une prière spéciale pour le pape émérite. On l'écoute. Je voudrais vous demander à tous de faire une prière spéciale pour le pape émérite Benoît XVI, qui en silence soutient l'Église. Il est très malade, alors demandons à Dieu de lui apporter du réconfort et de le soutenir avec amour jusqu'à la fin. Ouais, on apprend que François a rendu visite à Benoît XVI. Bonjour Natalia Bendossa, vous êtes en direct de Rome. Benoît XVI, rappelons-le, s'était retiré en 2013. Les dernières nouvelles ne sont donc pas rassurantes. Oui, effectivement, pour l'instant, en dehors des propos du pape François lors de l'audience de ce mercredi, le Vatican communique au compte-gouttes. Un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège confirme l'aggravation de l'état de santé du pape émérite pendant ces dernières heures. Une aggravation, je cite, due à son âge avancé. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, dit le communiqué. Les médecins suivent de près l'évolution de l'état de santé de Benoît XVI. Le communiqué indique également qu'aujourd'hui, à l'issue de l'audience au Vatican, le pape François s'est rendu au chevet de Benoît XVI, un pontife qui a marqué l'histoire, premier pape des temps modernes qui a renoncé à ses fonctions après 8 ans de pontificat. C'était le 11 février 2013 et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons clairement, le monde catholique retient son souffle et prie pour Benoît XVI, le 265e pape de l'Église catholique. La Finlande vient d'inaugurer son premier navire terminal flottant d'importation de gaz naturel liquéfié. Selon l'opérateur public Gasgrid, ce méthanier peut contenir environ 68 000 tonnes de GNL. Il a été loué pour une période de 10 ans et sera prêt à alimenter les ménages, les industriels et les producteurs d'énergie finlandais à partir de la mi-janvier.
En mai dernier, la société russe Gazprom avait suspendu ses livraisons de gaz vers le pays scandinave à cause des sanctions occidentales. Moscou a déjà plusieurs fois interrompu ses exportations vers l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. Et en septembre dernier, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés. En réaction, Helsinki et d'autres pays européens cherchent des solutions pour se sevrer de l'énergie fossile livrée par la Russie. En décembre, Berlin, qui dépendait à 55% des importations de gaz russe, a mis en service son premier terminal et prévoit d'en mettre à l'eau 5 autres dans le courant de l'année. Le tout à présent est de trouver des fournisseurs de GNL afin de remplir les stocks. Avec vous, on va parler de la Croatie hein, qui, dans la nuit de samedi à dimanche, minuit très exactement, va faire coup double puisque le pays rejoint à la fois la zone euro et l'espace Schengen. La Croatie deviendra le 27e membre de l'espace Schengen et le 20e de la zone euro. Une entrée assez spectaculaire tant le pays s'est redressé rapidement économiquement pour satisfaire la plupart des critères pour faire en partie de ce club de la monnaie unique européenne en très peu de temps, en moins de 30 ans. Moins de 30 ans seulement après la fin de la guerre qui a fait 20 000 morts entre 1990 et 1995, détruit 160% de la richesse du pays et détruit également plus d'un bâtiment sur 10 dans le pays. Mais depuis son entrée dans l'Union européenne en 2013, il y a 10 ans, alors que le pays venait de subir une nouvelle crise, celle de la crise financière de 2008-2009, faisant fuir d'ailleurs une partie de sa population partie tenter sa chance ailleurs en Europe, et bien les gouvernements successifs faisaient de l'adoption de la monnaie unique un objectif, engageant finalement une spirale vertueuse, un taux de chômage tombé à 6% en dessous de la moyenne européenne, un déficit des comptes publics de 1,6%, meilleur que là aussi que la moyenne des 19 autres membres de la zone euro, et une dette de 70%, légèrement au-dessus des critères de Maastricht, mais là aussi meilleur que ses voisins. Une gestion rigoureuse qui ne s'est pas traduite finalement par une forte politique d'austérité. Le pays affiche aujourd'hui une très solide croissance, la plus forte en Europe derrière l'Irlande en 2021 et encore très forte, on le voit, 5,7% prévu pour cette année 2022. Alors comment aujourd'hui la population croate voit-elle l'arrivée de l'euro ? Alors pour beaucoup, en Croatie, ça ne va pas changer grand-chose, car la Croatie, contrairement à d'autres pays, au moment de l'adoption de l'euro, n'était pas vraiment attachée à sa monnaie, qui aujourd'hui est la kuna. En réalité, cette monnaie, elle était très jeune, elle n'existait que depuis 1995, et l'euro, pour beaucoup, pour les plus de 40 ans, est déjà la quatrième monnaie qu'ils vont connaître, après le dinar yougoslave, qui existait jusqu'en 1990, le dinar croate, et donc la kuna. Certaines de ces monnaies étaient extrêmement instables, si bien que les Croates avaient déjà pris l'habitude, depuis un certain nombre d'années, de faire les transactions les plus importantes, d'abord en marque, la monnaie allemande, dans les années 90, puis en euros. Le pays s'était également déjà tourné en grande partie vers les pays de la zone euro, avec qui il réalisait déjà, on le voit, plus de la moitié des échanges, 53% des exportations, 59% des importations. Pour l'industrie touristique, qui représente aujourd'hui 25% du PIB, l'adoption de la monnaie unique, mais aussi surtout l'entrée dans l'espace Schengen, représente une chance. Elle espère en tirer profit, attirer encore plus de visiteurs étrangers. Le gouvernement, lui, cherche à rassurer ceux qui craignent que le passage à la monnaie unique n'accentue encore l'inflation qui est déjà très forte, 13,5% sur un an au mois de novembre. Les entreprises ont dû signer une sorte de charte éthique pour ne pas profiter de l'euro pour augmenter encore leurs prix. Alors voilà pour le point de vue de la population croate. Comment le reste de la zone euro voit-elle l'arrivée de la Croatie ? Alors, il faut dire que c'est un petit pays, hein, la Croatie, 3,9 millions d'habitants seulement, au faible poids économique. Certains craignent que cela n'accentue encore l'écart de richesse entre les pays riches et les pays pauvres, et le risque d'une nouvelle crise de la zone euro provoquée en 2012 par la Grèce. Mais c'était aussi un excellent signal politique qui montre qu'en quelques années seulement, en sortant de la guerre, un pays peut rejoindre peut atteindre les critères pour rejoindre ce club. Un club de 20 pays désormais, d'une population totale de 347 millions d'habitants,
plus que les États-Unis. En 23 ans, l'euro est passé de 11 membres à 20. Mais paradoxalement, cela risque aussi d'être le dernier élargissement avant plusieurs années, car sur les 7 autres pays de l'Union européenne, eh bien, la Suède, le Danemark ne veulent pas de monnaie unique. Pour les 5 autres membres, ceux des États d'Europe centrale, le chemin vers l'adhésion s'annonce long. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque n'ont pas la volonté politique avec les gouvernements actuels. La Roumanie et la Bulgarie, eux, ne répondent pas pour le moment aux critères économiques. La Bulgarie aurait dû, elle aussi, adopter l'euro cette année 2023. Mais le Conseil européen avait rejeté la demande en raison de son instabilité économique, des scandales politiques de corruption et aussi de son ambivalence vis-à-vis de la Russie. Merci beaucoup Christophe Dansett pour ce décryptage de l'arrivée de la Croatie au sein de la zone euro. Ce sera donc au 1er janvier. Bonjour à tous. Que se passe-t-il à l'hôpital de Remiremont dans les Vosges? Une nouvelle plainte, la quatrième, doit être déposée cette semaine contre l'établissement pour homicide involontaire. Les familles se demandent pourquoi leurs proches sont morts, comment ont-ils été traités et comment les diagnostics sont faits. À chaque fois, le scénario est le même. Tatiana Gelselmann, des personnes hospitalisées pour des troubles a priori mineurs, mais qui meurent quelques jours plus tard à l'hôpital. Les faits concernent 4 femmes hospitalisées entre décembre 2018 et juillet 2022. 2 d'entre elles sont admises pour cause de pancréatite aiguë, 2 autres pour des fractures du fémur. Sauf que quelques jours après leur arrivée, les patientes décèdent. Angélique Bédel a perdu sa mère en juillet dernier. Elle est hospitalisée depuis une semaine suite à une fracture du fémur, mais les suites post-opératoires avaient l'air satisfaisantes. Donc pourquoi le vendredi matin, tout bascule et on perd notre maman? Aucune réponse de l'hôpital. La famille demande donc à avoir accès au dossier médical et là, des incohérences apparaissent. Il y a plusieurs heures de décès. Dans un premier temps, on a 7h00, on a ensuite 7h51 et puis on a sur un autre document 8h13. La famille se tourne donc à nouveau vers l'hôpital pour avoir des explications. Le dernier échange avec le chirurgien qui l'a opéré a été de nous dire « Vous avez voulu le dossier médical maintenant, vous l'avez, vous faites ce que vous avez à faire avec. » L'hôpital de Remiremont reconnaît un problème de communication mais réfute toute erreur médicale. Le parquet d'Épinal a ouvert une information judiciaire. La France dépasse un nouveau record, celui du nombre de détenus dans les prisons. 72 836 personnes derrière les barreaux, un nouveau record enregistré après un plateau historique dépassé au mois de novembre, des établissements carcérales surpeuplés alors que ces prisons comptaient seulement 60 698 places opérationnelles au 1er décembre. Des chiffres ahurissants qui font grimper la densité carcérale à 120% contre 115 il y a un an, David Montagnier. Oui, la situation se dégrade d'année en année. 6 établissements dépassent même les 200% d'occupation, comme les prisons de Bayonne, Bordeaux ou Rochefort par exemple. Aujourd'hui, plus de 2000 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol, dans des cellules de 9 mètres carrés. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, s'inquiète des effets de cette surpopulation carcérale. Ça fait des mois, des années qu'on alerte en disant ça. C'est effroyable. Les gens qui y sont, il faut bien qu'on le comprenne, sortiront. Ils sortiront sous peu, ils sortiront, voilà. Et donc, quel est l'intérêt de les entasser comme ça pour qu'ils sortent dans un état pire qu'ils ne sont entrés? Je n'arrive pas à comprendre la logique. Pour endiguer ce phénomène, le gouvernement multiplie les réformes. Suppression des peines d'emprisonnement inférieures à un mois, aménagement obligatoire de celles de moins de 6 mois ferme. Les alternatives aux peines de prison sont aussi encouragées, comme les travaux d'intérêt général ou les bracelets électroniques. Le ministre de la Justice a toutefois promis la construction de 15 000 places de prison d'ici à 2027 et atteindre ainsi 80% de cellules individuelles. Les précisions de David Montagnier du service police justice d'Europe.